demain. Je suis comme je suis. Toi et moi, on va finir aujourd'hui. Today, not today. Today, not today. Oh. Today, not today. Allez m'appeler Jean-René Ngolo. Je veux finir avec lui ici. Je veux finir avec toi. Appelez-le. Maman, un bâtard pareil. Yo. Comme j'aime te parler, je suis énervée. Donc, il faut que j'aille dans la chambre. Allez, mes amis, vous allez m'excuser. Je vais. Connectez-vous. Je dis, connectez-vous. Je dis, connectez-vous. Je veux finir avec Jean-René Ngolo. Il veut montrer qu'il est un homme dans les réseaux sociaux. J'ai fini avec lui. Partagez-moi la vidéo aussi. Et quand j'avais mes grands directs, je veux finir ici avec lui. Boycotter tous les filles là qui vendent les produits dans les réseaux sociaux, là, ne boycotter ça parce qu'ils sont tous les tontinades. Boycotter ça. Mais c'est parce qu'il fait froid dehors, je ne peux pas sortir en route. Et puis, vous voyez mon état, je ne peux pas. Je peux pas sortir. Mais, c'est-à-dire que, connectez-vous. Nous sommes 50, on commence. Non, je veux finir, j'ai mis un condo aujourd'hui. Ouais. Les Arabes qui sont là-bas, que je ne peux pas parler comme tu veux. Ils vont venir sonner ici, crème. Parce que tu as parlé fort. Quand il était encore riche. Maman. Tu es riche, quand même, il y a des privilèges. Hein? Quand tu es riche, il y a des privilèges. Parce que tu peux faire, tu peux m'écrire. Et le criage est incorporé dans le truc. Connectez-vous. Connectez-vous. Je veux finir avec Jérémy Ngolo aujourd'hui. Si on voit finir mon Facebook, si. Je veux les laver propre. Propre. Je ne connais pas sa vie. Sa vie va sortir ici. Aide. Regardez-moi, petit troubadour d'enculé mental comme ça. Là, comme... Tu donnes. Tu parles à qui? Maman. Hum? J'ai fait la prison. La nourriture est tournée comme ça. Donc, les gens au Cameroun disent, toi, on ne t'a pas tué. C'est comme tout qu'on va tuer. Mouf. Ouais, les gens devant, comme tout à l'heure, comme on a prié là. Je vous ai parlé. Attendez, j'arrive, mes amis. Je me lève un peu, vous savez que je suis un peu debout. Vous savez que le Dagobert qui est devant, c'est Dagobert, c'est bizarre. Parfois, il faut qu'on se réveille debout. Parfois, il faut qu'on s'assoie. C'est quoi quoi ici là? C'est vous qui ça? Excusez-moi. Les gens entendent souvent quand je suis en direct, la pluie vient de parler, c'est trop fort. Écoutez alors. Il y a des gens qui sont de mauvais cœur ici là. Connectez-vous. C'est les filles au pendant comme on voit comme ça. Laissez mon téléphone. Mes amis, je vais devoir couper les directs. Ne riez pas. Attends, c'est qui? Hein,
Tu veux me suivre ici? Tu veux me suivre ici? De toute façon, moi, son nom, c'est quoi? Attends, je vais trouver ton nom. Ton nom, c'est. Attends, son nom. Attends, je vous dis son nom, hein, tout de suite. Le nom de la personne qui me l'a demandé, là. Parce que c'est une personne qui me suit depuis, qui me fait du mal. Qui n'aime pas quand je parle. Mettez le cœur, non, vous êtes nombreux. Il y a un seul truc, tu ne mettez pas le cœur, pourquoi? Il faut le chasser. Hein? Son nom c'est Flor Ngassa. Comprenez? Son nom c'est Flor Amélie Ngassa. C'est elle. C'est elle. Elle a la photo de Kamto sur son truc. Elle s'appelle Flor Amélie Ngassa. Vous allez dans son profil et puis. Qu'est-ce qui se passe dans mon Facebook? Non, je n'ajoute pas tant. Attendez, excusez-moi, on va recommencer ce direct parce que là, je suis embêté. Voilà, parce qu'il y a. Je ne sais pas ce qui se passe là. Non, 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 non. Non, connectez-vous. On ne va pas. On va pas, même s'il y a deux personnes, ne vous inquiétez pas. Partagez la vidéo, on va dans la chambre. On va dans la chambre tout à l'heure. Connectez-vous. C'est que l'église est finie, non? J'ai dit que je ne ferai plus les vidéos. J'ai dit que je ne ferai plus les vidéos. Moi, je n'aime pas le faux de Facebook. Les fake news. Quand on dit que les fake news. J'aime pas. Il y a des gens qui sont toxiques. On dit que toxique, banana. Connaissez-vous? 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 Il y a des toxiques, banana ici à Facebook. Merde. Maman. La personne qui a envoyé était de moi, elle s'appelle Flor Amélie Ngassa. Oui, Flor Amélie Ngassa, c'est une fervente qui me suit. Elle est même dans mon compte ici. Mais comme j'ai pitié d'elle, je ne la bloque pas. Elle est ici. Donc, c'est une fille que elle est chaud, chaud pour Kamto. Je t'ai dit, Amélie, que Kamto ne sera jamais président. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, je ne suis pas là pour Kamto. Je suis là pour quelqu'un d'autre. Kamto va pourrir en prison. Vous exigez les gens aimer Kamto. Vous pouvez pas exiger. Connectez-vous. Maman ministre, je serai à Bruxelles. Je viens de la soirée, je veux m'habiller avec ma tenue de 8 mars. Je veux voir qui va m'enlever ça sur le corps. Ce n'est pas la tenue de 8 mars qui va changer quoi que ce soit. Quand ils mangeaient leur argent, on n'était pas là. Maintenant, c'est que. Est-ce que marrant, c'est que dans cette histoire, tout le monde l'a appris. Hein. Les patriotes ont l'argent qu'ils ont pris. Ça, tu manges là-bas. Ton Tina, pareil. Nous, les Sardinas, nous, on a quoi? Rien. Mais moi, même si moi, je n'ai rien, je suis que chez Poulbia. Je soutiens Poulbia. Même si on dit qu'elle a tué tout le monde. Même les condamnés à mort ont les avocats. Et même les femmes et les enfants qui laissent. Poulbia, pour vous, c'est un condamné à mort. J'aime, moi, mon condamné à mort. Et vous allez me donner raison un jour. Connectez-vous. J'ai tout mon temps. C'est ma connexion. C'est vous qui payez. Parce que je vais dans la chambre. J'ai mis le chauffage là-bas. Le chauffage dans la chambre, c'est pour ça. Maintenant que ça chauffe un peu, après je pars là-bas. Parce que le chauffage central, ça ne marche même pas. Mais je serai là-bas. Est-ce que quelqu'un me touche là-bas? Est-ce que la police belge, c'est la police française? On va faire ça. On va parler de Nilan là-bas le jour-là. On va faire du ça là-bas. Je suis une femme enceinte, non? Oh, maman, c'est un bout de tissu qui va changer quoi?
Ça va changer quoi? Je ne parle même pas de ça. Mon but, c'est autre chose. Écoutez, alors les maisons comme ça. En haut, je ne dors pas. Hein. Ils font le bruit toute la nuit. Mais moi, c'est d'en bas. Moi, je fais aucun bruit. Hein. Mais tu vas entendre, ils vont monter. Si me tourner, tu as parlé fort. Ils viennent aujourd'hui. Vous pouvez être difficile. Ça commence encore. Ben, et en province, ce que je pense que je vais limiter le nombre de personnes qui m'envoient des films porno parce que j'en ai peut-être 2000 films porno là. L'autre jour, j'ai mis ma photo que oui, je veux bien les films porno. Maintenant, mon WhatsApp devient que les films porno. Ça suffit, non? J'ai dit, Nimilova, pourquoi je suis pas enceinte? Pourquoi? Je suis enceinte. Mais pourquoi, c'est quoi ce délit que vous avez là à discuter que je ne suis pas enceinte? C'est votre problème, c'est votre enfant. Oui, que ce soit comme Dieu donné, non? C'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est. Et la bagarre. Mais quand on est riche, j'en ai bien quand même. Quand elle était riche, je n'avais jamais de problème avec les voisins. Maintenant, je ne parle même comme ça là. On dirait que les voisins. Parce que normalement, moi j'ai une très grande chambre et une très belle chambre. Ici, une belle chambre. Je suis chez moi, là, je suis au salon. Et à cette heure-ci, ils sont censés être dans la chambre. Vous comprenez? Ils sont censés être dans leur chambre. Donc, si je suis au salon, en plus, en haut, chez moi, ils ne peuvent pas entendre en bas là-bas ce qui se passe ici, en haut, chez moi. Mais ils sont là. C'est comme s'ils ont les. Est-ce qu'elle a ri? Souvent, les gens passent en route, ils rient là-bas en route. Ils viennent sonner ici. Ah ouais? J'ai la tête chez toi, tu arrives? Mince, tout le monde dit que vous venez voir ici. J'ai tout mon temps. J'attends les gens ici. Je vais vous donner les mots. Je vais vous donner les phrases que vous voulez entendre. Je vais vous donner ça aujourd'hui. Je vais être cruel et dur. Parce que je sais être dur. Vous comprenez? Je vais être dur dans mes propos aujourd'hui. Si on veut, on prend mon Facebook si. On part avec. Je m'en fous. Là. Demain, je vais créer un autre. J'en ai marre des petits ignares. Ils avouent riches. Oh. J'aime certains homosexuels, mais d'autres, non. Alors là. Connaissez-vous? Quand je vais le faire, ça ne va pas rester 10 minutes. Ça ne va pas durer 10 minutes. Mamie, c'est quand le régime BIA va toucher. C'est quand le régime BIA va toucher ta famille que tu sois. Le régime. Quel régime BIA qui va toucher ma. Je suis mauvais pour le BIA. Tu parles de quoi? Tu es malade. Déjà que toi, si tu sors d'abord d'où même, vous nous commentez ici. Quand le régime BIA va toucher moi. Qui touche? Il va toucher encore qui? Je suis avec eux. Moi, je suis avec Paul BIA. D'accord? Les petits salopes comme ça qui viennent dans mes directs, qui ne savent même pas. Nous sommes les gens qui viennent chez moi. Donc, qui ne me suivent même pas du tout, qui ne savent même pas ce que j'ai, mon petit combat, moi, de mon côté de Facebook, qui viennent se mettre à parler. Tu peux parler, mamie, le vas-tu pas de quoi? En fait, je suis avec les tontinats, ou les tontinats, ou comment on appelle ça? Les patriotes, ou les autres là. Non, 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 non.
Non, avant de venir parler, si pèse bien tes mots, tu ne me connais même pas. Donc, ça veut dire que tu ne connais même pas, tu ne sais pas, tu es venu aussi comme ça parler, comme tu voulais parler. Il faut réfléchir. Hein? J'ai dit que mamie, Lova, je ne te connais pas, j'en ai rien à cirer. Tu n'as pas à me dire hein, que quand le camp va me traiter, tu vas comprendre. Je suis avec qui? Je suis dans leur camp. Ils vont me traiter comment? Toi qui? Donc, viens, si tu n'es pas à l'école, si tu as un désaccès mental, c'est ton problème. Tu entends? Donc, allez faire votre chose là-bas. Si tu as fumé le banga, va fumer ça loin de chez moi. Je suis là. Je veux répondre à Jean-Marie Ngolo. Je veux le répondre propre. C'est lui que j'attends ici. Oh, c'est beau, hein? Je dis que mamie Lova ne me prend pas la tête. Si tu parles, tu commentes encore ici, je te bloque. Tu es une pute sans cervelle. Tu dis, moi, je te connais. Tu es ma joyeuse. Je te dis ce que je pense. Tu dis quoi que tu penses, quoi? Tu viens me trouver dans mon parti RDPC et tu viens me faire croire que le RDPC va encore me faire du mal. C'est ce que tu veux me faire croire là dans ta tête là? Mamie Lova ou quoi? Est-ce que tu veux me faire travailler ma tête? Comment t'es encore ici si c'est une pute qui a deux seins comme moi? Viens encore parler de conneries ici. Tu es une femme. Je t'attends. Je veux parler, ne soyez pas pressé. Voyez que je suis mon amour RDPC. Nous ne me connaissons pas là-bas. Je suis moi pian dedans. Elle me dit que hey, comment va-t-il faire que RDPC avec moi? Elle est revenue pas, je vais faire RIP. Parce que le gouvernement a choisi, nous on fait RIP. On va commencer. Hein. Je vais vendre la chambre aussi. C'est chaud. Parce que je vais aller dans ma chambre. Parce que les sales bétecs arabes qui en bas là. Lui là, dès que tu commences seulement, quand son fils pleure, on ne parle pas. Quand c'est moi, oui, on ne peut pas dormir et tout. Dormir, mais dormir. Oh, ça fait du bien. Bon, j'y vais, Maringo. Je vais te répondre un peu. Je vais te répondre un peu. Parce que moi, je ne te comprends plus. Je vais te dire quelque chose. Que ne viens pas mentir les gens dans les réseaux sociaux de Facebook. Parce que tu es un grand menteur. Tu entends, non? Tu. Comment on dit ça? Moi, je te réponds. Je te dis quelque chose. Tu es un très grand menteur. En ce moment, beaucoup de nos sœurs de l'Ouest, comme ils veulent que leur gourou soit président, donc tout le monde te mange. J'étais étonné de voir le long fondu là-bas. J'étais étonné de voir beaucoup de stars Facebook là-bas. Merde. Je dis que hein, les gens qui te soutiennent, ça c'est du n'importe quoi. Vous allez arriver avec ça. Non. Je vous ai dit à Facebook que toutes vos vidéos que vous faites,
toutes vos vidéos que vous faites dans les réseaux sociaux contre le régime de Paul Biya va perdre comme tout. Vous ne comprenez pas. C'est moi qui vous dis. Va perdre comme tout. Tu étais en prison dans le régime de Paul Biya. Tu as d'abord fait quoi avant d'atterrir en prison? Tu étais un jeune garçon gay? Parce que moi, je veux parler pendant l'écran français, je ne veux pas insulter. Il était un garçon gay, très intellectuel et tout. Tu es sorti avec tous ces grands ministres-là. On te couchait comme un chien partout. On t'a fait et on t'a utilisé comme on a pu. Tu avais l'argent, tu voyageais dans des valises diplomatiques et tout, des riches et tout ça. Après maintenant, la nouvelle vague, je me souviens bien à cette époque, la nouvelle vague de petits aussi, ding-ding, sont arrivés. On ne voulait plus de toi. Tu as commencé, tu as fait un scandale, tu as sorti un journal. Hein? Jérémy Gona. Parce que lui, c'est une femmelette. Hein? Je ne sais pas, c'est une femmelette. Mais tu sais, comme il sait très bien parler, il a été à l'école, c'est un intellectuel. Donc, du coup, il vend les rêves aux jambes de Camtoto. Moi, je vous dis, c'est comme ça qu'il sort la première liste des ministres et tout le gouvernement, tout le monde qui est gay, tout le monde qui couche avec tout le monde. Tu entends? On le fait sortir du pays. Il fait tout ça. Et on devait l'arrêter. Toi, là, un de ces shows-là dit qu'on va t'arrêter. Fait tout. Il a passé par, je ne sais pas où. Il est arrivé ici. Il a demandé l'asile politique. Depuis des années. Vous savez, comme je dis, tout le monde là est hypocrite. La crise de nos eaux. Moi, je suis un peu. Moi, je suis un peu bizarre. Hein? Parce que moi, je suis à Facebook. Je vous ai dit depuis 2009. 2009, j'ai commencé à voir les images et tout. Et ça sortait d'abord à Google, un peu comme ça, ça sortait. C'est comme ça qu'on a commencé à parler du Cameroun. Après ça, il y a eu un gars qui est sorti d'où, qui voulait être, qui a créé l'Ambazonia. Tout le monde, nous, tous, on était au courant de ça ici. Vous entendez? On était tous au courant de cette histoire ici. Personne n'a rien fait. Même l'année dernière, personne n'a rien fait. L'année dernière, nous tous ici, on a porté les 8 mars ici. Alors qu'on tuait des anglophones à nos eaux là-bas. Les anglophones. Les bamlékés. Pourquoi vous êtes. Vous êtes... Putain, ils ont commencé encore. Pourquoi vous êtes. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Jean-Marie Ngolo, toi aussi. Si. Si tu en as comment tu as donné ton anus à tout le monde, ton anus à tout le monde, en plus de ça, tu as les sida. Tu as donné ton anus à tout le monde. Si les gens-là ont donné vraiment un vrai poste au gouvernement, tu allais parler de Paul Biya maintenant. Tu allais parler de. Tu as tellement parlé de Paul Biya que. Tu as tellement parlé de son gouvernement qu'on t'a mis à Kondangui. Et tu oses dire quoi? Également, troubadour, un vanupier, un pauvre mec. Un chouane, un élan, élan, un zout. Je te dis qu'un bâtard comme toi. Un bâtard comme toi. Jean-Marie Ngono. Oye, mes sous, oye, mes noix. On est dit. Un pauvre votant comme toi. Tu te fais sodomiser tous les jours. Regarde mon chien, Iran. Tu te soumises tous les jours. Tu fais une tontine de 2 500 €. Là où les gens pensent font les tontines là. Parce que Lady pense que vous voyez ce que je n'aime pas là. Lady pense que voici. Lady pense et soutient Ngono. Jean-Pierre Ngono. Tu sais, Jérémy Ngono. Vous savez pourquoi? Parce que son mari, c'est un bamléqué. Moi, je vous dis, ils font le grand tontu de 2 500 € par mois, 2 500 € par mois, machin, fait ceci. Je suis au courant parce que mes copines sont dans ce tontu là. Ouais, non. Donc, comme vous voyez là, c'est pour ça que quand on dit que je n'aime pas quelqu'un sur les réseaux, moi, je pense que je l'aime pas. C'est une hypocrite. Elle fait une très bonne musique, une très belle musique, mais c'est une hypocrite, comme vous la voyez là. Jean-Jérémy Ngono, c'est pareil. Jean-Jérémy Ngono, c'est un intellectuel. C'est un gay. Il a donné son anus à tous les, à, même les, à tous les riches du Cameroun. Et comme ils peuvent aller trop,
Quand il couche avec toi, il va dire tout oh, bah, dis donc, moi, j'ai fait ceci. Si on connaissait le langage des PD, oh, moi, j'ai fait ceci, moi, je suis avec telle personne, moi, je suis comme ça. Il changeait les voitures comme c'était pas payé. Il vivait dans les villas à Bastos. C'est sa bouche qui l'a trahi. Gros PD que vous voyez là. Les Jean-Marie Ngolo que vous voyez là. Non, qu'on dit que, mais attends, quand ils sont, on l'arrête, ces petits gringalets, avec la nuit pourrie par les asticots là, on les met à condamner. Où ils sont maintenant, où ils sont restés traqués, ils vont recommencer. On les cherche encore. Son ami lui dit que, passe, c'est comme ça qu'il vient en Europe. Il demande l'asile politique en tant que journaliste. Il travaille où? Il travaille dans quel journal ici en France? Il travaille dans quel journal ici en France? Où c'est les OMG et tout. Il a pris une chaise, une chaise de qu'on vend la brocante, venir installer chez lui, mettre les rideaux comme si c'était un milliardaire, venir s'asseoir pour parler tous les jours dans la même chaise. Quand je pense que j'ai eu à boire le bouillon avec ce cafard qui vient d'arriver. Quand il vient d'arriver ici, il était dans les soirées parisiennes. Il était présent dans les soirées parisiennes. Oui, monsieur, machin, a fait ceci dans les soirées et tout. Aujourd'hui, tu te retournes. Tu aurais pu te retourner, mais à l'époque, tu ne peux pas retourner. Comme on a dit. Et tu lui dis que tu es un Yaoundé, un bétier. Il faut que le Bamiléké soit devant vous pour avancer. Mais, Jean-Marie Ngono, tu vas mourir ici. J'espère que ton anus pourri là va pourri, parce que toi, tu me sors de partout. Tu n'es qu'un rat. Quand tu baisais avec ces gens-là du gouvernement, tu étais bien dans les grosses Pajero, les gros agents. Tu avais tout. Nous, on était où? Quand t'as mis à Kondari, à cause de quoi? À cause de ta sale bouche. Tu ne gardes rien, tout sort. Maintenant, tu te plains. On dit que dans la vie, c'est la bouche qui sauve. La bouche trahie, c'est la bouche qui sauve. Vous, c'est marrant. Tu dis que quoi? Il dit comme que. Il explique comment on va empoisonner Kamto. Il dit que quand la femme de Kamto va en prison, mettre la nourriture, c'est normal, il y a les goûteurs. Même la femme, mettez les cœurs, il y a un sauvage, mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, j'arrête. Vous êtes normal à m'écouter là. Bon, j'arrête la vidéo. Mais vous ne pouvez pas mettre les cœurs, vous êtes là sans pour me suivre, ça vous coûte quoi de mettre les cœurs? Franchement. Donc, ce que je disais, c'est que. Non, mais c'est quand même aberrant. Vous êtes nombreux. Quelqu'un s'introduit dans mon Facebook et il met les têtes de moi. Et vous êtes nombreux. Il n'y a même pas. Normalement, il devait avoir les puits de cœur ici pour qu'ils partent. Pourquoi? Regardez la vidéo, pourquoi? En quoi nous on continue? Et Valov, tu me menaces que avec la vidéo, tu es qui? Tu es malade. Hein? Tu vas faire quoi avec ma vidéo? Oh, d'accord. Ok. Bon, comme je voulais vous dire, c'est que Jean-Rémy Ngono. Jean-Rémy Ngono, c'est un monsieur que moi j'irais. Moi j'irais parce que quand à l'époque, quand ils étaient en train de gagner de l'argent, quand ils prenaient, ils mangeaient l'argent au Cameroun, ils n'étaient pas avec nous. Non. Il est revenu ici. Depuis des années qu'il y a les problèmes, même l'année dernière déjà, quand il a commencé à avoir les problèmes avec Kamtoula. On a un peu senti un peu, mais il a disparu parce qu'on l'a payé. Qu'est-ce qui vous dit que vous qui le suivez là à ce moment-ci? Qu'il n'est pas payé pour distraire les Bamiléké. Il n'est pas payé pour faire ce qu'il fait là. Regardez son train de vie. Vous n'êtes pas sûr.
Méfiez-vous. Voilà ce qui commence à sortir là, avec les cocos là. Oh, il y a de l'argent des manières. Oh, machin, la brigade des patriotes a eu l'argent. Les sardines ont eu l'argent. Tout ça. Méfiez-vous, mes amis. Moi, je vous dis seulement que méfiez-vous. Laissez-les. Ceux qui veulent mettre les têtes de moi, mais ça ne sert à rien. HD Maïev affiche la paix. Je me promène, je me mets la politique. Si j'étais ici, si je dis ce que j'aimais Kamto, vous allez tous me mettre ici. Mais moi, j'aime pas Kamto. Et Kamto ne sera jamais président. Point à la ligne. Arrêtez vos histoires. Je n'ai pas de personne. Pourquoi? Quand il faut parler de Kamto, tout le monde est d'accord. Quand on parle de qui n'est pas Kamto, je n'ai rien à cirer. D'accord? Je sais ce que je défends. Et vous allez me donner raison. Je ne vous mens pas. J'aurai raison un jour. Je ne vous mens pas. Jean-Marie Ngono travaille pour le RDPC. Vous ne savez pas ça. Hein? Jean-Marie Ngono veut que on voit que le peuple bamléké est un peuple qui est mauvais. Il va sortir des énormités tous les jours. Les énormités. Faites attention. Pour lui, il va sortir bientôt. D'abord, c'est un menteur. Déjà, madame Kamto a le droit d'entrer dans la prison parce que c'est Kamto n'est pas un prisonnier comme tout le reste. Kamto, c'est un prisonnier politique, apparemment. Donc, ça fait mal de le voir. Ils ont leur L à eux. Ils ne se présentent pas. Laissez. Je l'ai dit que... Guidé. Maëva, moi, je parle. Pourquoi? Vous ne pouvez pas intimider la veuve joyeuse, jamais. Rémi Ngone travaille pour le RDPC. C'est leur chouchou, c'est leur jouet. Comme tu lui donnes quoi? Mais attends, ils sont nombreux comme ça, comme ça on envoie dans leur compte. On dit que continue ton travail. Continue ton travail. Quand Jean-Rémi Ngone parle, ça veut dire ça, c'est pour que les gens comme nous, comme ça, on était sans coller Bamileke. Écoutez bien son discours, c'est erroné. C'est le même discours tous les jours. Moi, je vous dis. Donc, toi, HD Maïvala, si tu as parlé pour Kamto, si tu as parlé pour Jean-Marie Ngono, c'est votre problème. Et les quatre personnes qui ont liké là où HD Maïva a commenté là, vous tous, vous serez bloqués. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Et je veux voir tout ce monde-là. Qui est malade? C'est vous qui êtes malade mental. Je vous appelle chez moi. Quand j'ai raison, avec vos joyeuses à raison, je vous dis que Jean-Rémi Ngono, il est RDPC. Ce sont ses shows. Vous parlez de quoi? L'argent somme n'a pas tout, non. La brigade des patriotes a eu ça pas l'argent. Les millions. Ils ont tous l'argent, comme vous voyez là. Vous avez quoi? Vous les suivez aveuglément. C'est moi qui vous parle. Jean-Rémi Ngono est payé par les RDPC. Je vous dis. Ce sont ces choses. Je voulais vous parler ça. Jean-Rémi Ngono est payé par les RDPC. Vous attendez. Il est payé par les RDPC. C'est moi qui vous dis. Continuez. La liberté d'expression, quand même. J'ai dit que Lili peut, il va boire ton lait. J'ai dit que tout le monde là, vous n'envoyez pas les cœurs, les bandits, c'est encore là. J'ai dit que Jean-Rémi, demain je veux le passer, ma même, demain je veux parler ça en direct. Je veux le faire démontrer. Jean-Rémi Ngono est payé par les RDPC pour détruire les Bamléké. C'est moi qui vous dis. On va voir ça. Comment tu veux montrer que tu es quelqu'un? Tu es payé. Tu es payé par nous pour détruire les Bamléké. Tu es payé, Jean-Rémi Ngono. Eh oui. Je suis comme ça comment? Je suis comme ça.
Vous croyez que vous allez détruire le Cameroun? Jean Raymond Ngong ne peut jamais détruire le Cameroun. Il ne peut pas. Il était dans ce gouvernement et sait comment ça marche. La femme de Cam tout fait encore quoi au gouvernement de Paul Biya. Hein? Elle fait quoi le gouvernement de Paul Biya, je vous demande. On va faire ça dur. Quoi? Hein, Betty? Petit à petit. Je veux te faire ça dur, Jean-Raymond Ngong, c'est moi qui te dis. Tu peux avoir 5 000 personnes, mais c'est virtuel. C'est virtuel. On va faire ça dur. Tu entends? On nous a. Tu es qui? Il est payé. Je ne vous manque pas quand même. Les gens qui le suivent là, ne le suivez pas. On le paye. Pour qu'il vous, il vous embobine comme vous embobine là. On, tout le monde est payé. Sauf moi, je suis mes sardines que je sais. Moi, je n'ai pas moi de parti. Je suis sardine dans mon coin. Je vous dis qu'ils sont tous payés. Il est là pour vous distraire. Pour vous raconter les mêmes histoires. Chantal Biya fait ceci. Pour vous endormir. Quand vous les regardez, je dis que RDPC, oui. Il est du RDPC. Joignez-vous à moi. Il dit qu'il compte tout. Il dit qu'il est du RDPC. Qu'on appelle Ngono. Jean-Marie Ngono. Le troubadour du ça, de là. Il est là-bas. Tu es là-bas. Tu crois que quoi? Maman, regarde-toi. Avant, j'étais avec, tu vous mangez tous les jours, non? Vous baisez tous les jours, non? Avec les ministres du Cameroun et tout ça. Laissez les têtes, non. Ne mettez même plus les collègues. Laissez-le là-bas. Laissez-le là-bas. Oui. Laissez-le. Oui, il n'y a que ça, moi et proche. Je suis la pasteur, non? J'ai décidé que moi, la pasteur, Elisabeth, Sainte Elisabeth, Sainte Elisabeth, je vais. Attends, non. Je vais sortir Jean-Marie Ngono de ces conneries qu'il fait là. Et payé les bamiers que n'allez pas suivre Jean-Marie Ngono, je vous dis, ne le suivez pas, c'est un bâtard, c'est quelqu'un qui ment. Il est payé pour vous endormir, il est payé pour vous suivre dans les histoires. Depuis là, ça a changé quoi? Demain, ça a changé quoi? Comme toi a fait, il a échoué, il est à voyager, c'est, je l'avais vu. Parti. Il est revenu. Tous les troubadours de Facebook là. C'est seulement pour. Il a. Vous êtes là, si vous regardez, vous rêvez, non? Il... Parce que c'est un parodien. J'ai bien compris, c'est un parodien. Il adore parler. Il adore attendre le son de sa propre voix. Quand il parle. Oui, c'est un parodien. Il adore quand il parle. Et puis, il parle avec les arguments. Tu sais, un mec qui a été vraiment à l'école, vraiment propre. Pour vous convaincre de quoi? On va convaincre qui à Facebook? On va convaincre sur place. Donc, il faut voyager, il faut aller au Cameroun. Il est là, ici. L'asile politique. Il ne partira jamais au pays. C'est pour lui là. Même si Paul Biya n'est pas là et que le régime de Paul Biya n'a pas encore le pouvoir, ce qui est sûr, c'est ça. Il ne viendra jamais au pays, ce qui est sûr. Tu entends, non? Moi, je suis comme je suis. Je suis peut-être seul. Vous voyez que je suis sur les réseaux sociaux. Mais il y a les grands fers, il y a les fers en bas. Vous ne pouvez rien. Kamto ne sera jamais président. Je vous dis. Ah, mais je suis très malade, je suis malade mental. Je suis malade mental. Tu ne savais pas ça, Arnaud? Il dit que jamais. Jamais. D'abord, tu es un mouf, dégage. C'est bien qui ça. Il dit que jamais.
insister sur ça. Il vous endort. Regardez, le temps qui passe là à vous parler, à vous faire les mélodies. Il vous explique comment, quand la nourriture arrive à la prison, comment ça tourne, on met le poison sur ça. Vous pensez que l'État camerounais, même si, comme toi en prison, on peut l'empoisonner? Pardon? Quoi? Vous pensez vraiment que on peut empoisonner comme tout? Jamais. On ne peut pas empoisonner comme tout. Lui-même, le petit troubadour, pédé la con là. C'est lui qu'on devait empoisonner. Mais lui, on ne l'a pas empoisonné. Il est quand même sorti de prison. Il a commencé à confier ses conneries. C'est son ami qui l'a sorti. Pour amener en Europe, il a déménagé politique. Vous pensez que... On peut empoisonner quand tu es en prison. Jamais. La nourriture de quand tu es surveillée. Parce que quand sa femme est, on surveille la nourriture de la femme de Kamto. Parce que la femme de Kamto peut tuer son mari. C'est normal. Elle n'a jamais aimé Kamto. Elle n'est pas dans les meetings avec Kamto. Elle n'est jamais quelque part avec Kamto. Elle en a marre. Donc sa nourriture doit être surveillée. Pauvre con. J'ai payé Ngono de mes fesses. Tu n'as pas réfléchi ça? J'ai payé Ngono. C'est ce qu'il dit. Il dit, vraiment, vous vous rendez compte? Sa femme amène la nourriture. Quelle femme? Une femme qui ne te soutient pas, une femme qui n'est pas à t'écouter, une femme qui n'est pas là. Ça, c'est une femme, ça. C'est normal que pour une fois qu'elle vient donner la nourriture à son mari, on goûte quand même la nourriture. On va donner peut-être aux gens qui veulent y mourir pour voir si c'est... Attends. Ils disent que la nourriture tourne jusqu'à qu'on empoisonne. Ils disent qu'on empoisonne. On ne peut pas. J'aime pas. On ne peut pas empoisonner comme tout au Cameroun. Jamais. Vous voyez? Ils vous mettent ça dans la tête. C'est quelqu'un qui est là pour vous rendre bête. Pour que vous détestez les bêtises. Vous détestez les régimes camerounais. Vous, toujours les Yaoundé. Tu entends? Et puis tout le monde entier va dire que. Faut les Bamiléké qui n'aiment pas les Yaoundé. C'est moi qui vous dis. Mais c'est Bamiléké, tout ça. Récisez-vous, ou c'est quoi? Bon, c'est comme ça qu'on dit, vous avez compris. Maman. Papa, hein? Une femme qui n'a jamais aimé. Il n'a jamais fait de fil avec toi. Elle n'a jamais soutenu. Rien. Tu es dans le gouvernement de quelqu'un qui veut tuer. Qui veut tuer le président? Tu fais quoi là-bas? Réfléchissez. Je vous dis. Réfléchissez. Maman. J'ai pingou, non? Le président de la soirée. À l'époque, il était encore avec Nadine. Ou c'est Nadine Patricia Mango ici à Paris. Elle vient d'arriver aussi dans les histoires là, avec être avait l'an 2000 et tout ça. Ah mon Dieu, j'ai vécu les épisodes en France ici. Putain. Méfiez-vous. Vous serez très déçus, mes amis. Oui. Non, ça c'est pas la fumée, ça, Lily Pearl. Ça c'est comment on appelle ça? Le vapeur. C'est pas comme j'ai fumé beaucoup à l'époque, comme j'ai beaucoup fumé, et puis ben, après j'avais plus envie de fumer, mais la nicotine reste dans ma tête, donc ça me fait penser. Voilà, cigarette, c'est tout. Ça fait quelque chose que j'ai commencé d'ici
Peut-être que vendredi ou dimanche, ça ira. Parce qu'il faut que tout ça soit de ma tête et tout ça. Écoute, c'est pas facile à évacuer. Hein. Donc, pour ne pas penser aux vraies cigarettes, je m'en vais pas avec ça. Et puis, ça, le goût de la cigarette. Donc, ça, le goût de. Pas le goût. Ça, la nicotine dedans. Parce qu'il ne faut pas quand même que la sa nicotine, c'est pas bon. Mais la nicotine très faible. Ouais. C'est votre bébé qui a décidé que je ne fume plus. Et vous dites que. Moi, je voulais vous parler pour dire que mes soeurs, sans vous mentir, faites attention. Ne suivez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. JP Ngono est dans ce régime. C'est son régime. C'est un manipulateur et il sait comment faire pour manipuler les gens. Il a rangé les ongles, non? Pourquoi? C'est le vernis qui est parti, c'est tout. Moi, je ne me range pas les ongles. C'est le vernis qui est parti, ma belle. Je me range les ongles, pourquoi? Vous comprenez, non? Donc, sans vous mentir, ne suivez pas ces gens-là. Vous comprenez, non? Ne les suivez pas. Restez neutre. Comme moi, j'ai dit que moi, l'église, je ne prie moi jamais. Je fais ma patate à la cour. Du coup, ça arrive que je prie, je prie. Je ne prie pas parce que. Non. Dans la vie, quand je ne crois pas quelque chose, hein, je reste neutre. Je dis que je suis RDPC et que je suis mes lèvres mouvement. Moi, je m'en fous. Moi, je suis seulement là pour parler parce que je n'aime pas la façon que les gens insultent Paul Biya. Vous voyez, ça me fait mal. On insulte comme si c'était quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu, qu'ils n'ont jamais aimé. Alors que c'est un monsieur, même si c'est notre président avec qui on a grandi, avec on avait quand même l'affection. Moi, en tout cas, moi, j'ai l'affection avec lui. C'est lui que j'ai connu. Vous comprenez? On voit tous les changements, mais les changements ne doivent pas se faire avec la violence. Non? Là, quand même, attends. Et pas Paul. Non. Papa va partir. On ne dit pas non. Il va partir. On ne dit pas non, mais pas avec la violence. Vous comprenez? C'est tout. Oui. Moi, je trouve que Facebook, les gens sont trop violents, des gros mots. Donc voilà, on va dire quoi de ça? Ben rien. Donc comme je disais, c'est que ne suivez pas JP Ngono. C'est un imposteur. Ce sont les gens que quand ils parlent comme ça, ils veulent qu'on leur donne l'argent. Non. Quand on va leur virer l'argent là, vous là, que tout le monde aime l'argent. Quand on va leur virer l'argent là, vous là, vous ne serez même pas au courant. On va lui dire, continue à faire comme tu fais souvent là. Oui, Mfona et tout ça. Vous savez que les Yaoundé, nous, on aime bien parler doucement et tout ça. On va le prendre là. Il dit, on va l'envoyer vivre comment? Comment il vit ici? Il cotise quand même, hein? 2500 euros par mois. Il travaille pour avoir cette somme pour payer. C'est un médecin international qui fait ça. Il fait les tontines, c'est moi qui vous dis. Avec les jupons. Comme tu vois là. Et tous les stars bamiléké que de Facebook le soutiennent sont avec lui. J'ai vu aujourd'hui. Tout le monde était là-bas. Anita Bellina, que je bois mon lait ou pas, ça va changer quoi à ma vie? S'il veut rester, il reste. S'il veut partir, il part. Moi, quoi dedans? J'ai donné été exceptionnel.
Lui aussi, c'est un bébé exceptionnel, mais j'ai pas trop d'affection. Je ne veux pas que je m'attache encore la vol, après maintenant il part encore, je deviens encore la dépression, arrive encore nous. Je ne veux pas. Il faut qu'il reste là. Cet enfant doit rester parce qu'il doit rester parce qu'il veut être moi, qu'il va m'aimer, qu'il doit être mon enfant. C'est tout. Il dit que moi j'aime maman. Moi je vais dire que oui. Je vais pas me retrouver. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon Dieu, comme un téléphone ici. Bon, avant, je sais pas, je vais aller voir après. Ah ouais, c'est ça. Mais oui. Donc, vous comprenez, c'est pas. Je suis bien enceinte, oui, mais. C'est mon enfant, dans mon ventre, il grandit. Mais. Je ne vais pas me retrouver avec. Comme j'ai donné, quoi. Je peux m'attacher, je peux m'attacher parce que j'ai donné, j'ai. Quand même, c'était quand même quelque chose. Hein. Lui aussi, moi je l'appelle mon miracle. Donc, c'est mon miracle. Donc, quand on dit miracle, on attend ce que le miracle va donner. Quand on dit les miracles, on attend ce que le miracle va donner. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé Dieu donné. Dieu donné. C'est même pour le nom de Dieu donné. J'aimais cette grossesse. J'étais amoureuse de moi-même. Mais c'est la vie. Mais nous, on a notre miracle qui est là aussi, on attend. La grossesse, combien de mois? Et toi, tu as quel âge? Même si ça arrive l'année prochaine, ça fait quoi? Ça va changer que je suis enceinte. Bon, mes amis, je dois vous laisser. Je suis fatiguée. Il est demain. Ouais. Je veux faire une vidéo. Je veux pas faire un direct. Je veux faire une vidéo. Ouais. Dans mon autre compte là-bas. Il va me sentir passer, j'ai pingolo. Parce que, en fait, tu sais, comme il fait nuit, il y a les gens qui dorment, ils ne touchent pas. Parce que je voulais faire l'élocution de mettre un donkey sur lui. Flora Napien, tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Quand il entre, il voit comme cela. Donc il va faire quoi? Il met une fois dedans. Regardez. Salut. Je vous envoie, portez-vous bien. Vous croyez que quoi? Donc je ne monte pas avec qui je couille. Non, moi je pars, c'est fatigué. Non, je voulais laver chez Pingono, mais il s'est fait tard. Ouais, non, vous savez que mes voisins, ils sont bizarres. Surtout des sas arabes d'en bas là. Donc, c'est parce que je suis venu de la chambre, parce que je suis resté au salon. Non, pas bien. Moi je pense que je dormais dans la chambre aujourd'hui, parce que là, je suis bien là. Je suis habitué à dormir au salon. Quand je dors là, c'est exceptionnel. Portez-vous bien. C'est la gazelle. Je suis en Belgique. La soirée de mi volpone. Ne t'inquiète pas. Je serai là. Je vais porter mon cas. La personne qui veut déchirer ça sur moi, on va voir. Pasteur, je suis pasteur. une pasteur sexy. Maman, voilà, veuve. Merde.
ce que vous voulez voir, le sexy. Maman, pardon. Je vous laisse. Jean-Pierre Gonon, tu es là. Non, je m'en vais. Jean-Pierre Gonon, tu sais, tu as la chance. Hein? Je te jure que demain, je ne sais pas quand je vais me réveiller. Je veux voir si ça dépend de notre miracle ici. Le miracle dans mon ventre, là, ça dépend du miracle ici, mon état. Je veux te faire ça du. I go promise you tomorrow. I go show you pepe. Demain, je vais te faire ça. Je vais faire une vidéo. Je vais aller me placer là-bas. Vous connaissez ma place là, non? D'abord, je me place souvent là-bas. Je veux t'insulter propre. Je veux mon petit bâtard comme toi. Tu penses que Poulbia peut. Tu penses que Poulbia peut empoisonner comme toi? Alors là. Babou, attends, Babou a dit quoi? Mali, il est bon d'avoir un homme à ses côtés. Quel homme? Moi j'aime les blancs. Je veux que je me mette avec un négro comme toi. Hein? Meuf, dégage. Si je sors avec les négros, moi, dégage. Oh. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire que je suis habillée ou pas? Je suis une femme qui aime les nyanga. Les sexy. Ah oui. Bon, écoutez. Je vous laisse. Bye bye. Je vais faire la vidéo dans mon compte principal. I will show you. Au nom de Dieu. J'ai peint mon auto. Attends, je fais froid. Je mets mes chaussures. J'ai dit que demain, je vous fais ça du. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu avais étudié à l'époque, tu ne pouvais pas aller. Tu dis qu'on va empoisonner Capto. Tu sais qui est Capto? Capto, c'est mon époux. Hein? Je suis contre lui, mais je l'aime, Capto. Tu vas te demain. Tu vas me dire qui va empoisonner Capto. Capto et moi, j'ai une relation très spirituelle avec lui. Parce que Capto, il était têtu. Oui. Capto, c'est mon époux. Vous savez, au début, non, ça a été mon époux. Non. Ça restera toujours mon époux. Et tu vous dis que mon père, Paul Pierre, va empoisonner mon mari. Ça ne donne pas. Mes amis, je vous laisse. Pardon. Lionel est le maestro. Moi, je suis marié. Je suis marié avec qui? Tu la dépression. C'est toi qui as la dépression. Tu me dis que la dépression, c'est quelque chose. Les bonnes femmes sont mariées avec leurs femmes. Je suis marié à qui? J'aime. On t'a dit, je suis marié. Dis-moi, je suis marié avec qui? Dis-moi. Quand vous n'avez plus rien dit dans vos sales gueules-là, là, vous avez quelque chose. Les bonnes femmes sont liées avec leur mari. Et tu es amoureux de tes maigres fesses. Va te faire enculer. Je t'ai mis ta sale gueule, d'accord? Que je me fais monter mes fesses, ça fait quoi? Lionel est le maestro, parce que tu ne peux pas les avoir un jour. Tu vas que les contempler. Pauvre rat. Pauvre rat. Je suis belle. La beauté de ça. Je veux vous niquer la gueule de mes imbéciles. Je suis chez toi. Je veux demander. C'est vraiment ça. C'est ça, chaîne là. Les deux pétasses là qui ont dit qu'ils ont laqué la faute. Là où il est dans la commande là. Vous tous. Quand je veux bloquer, vous bloquez aussi. Hein. Ah oui. Il faut savoir que les gens qui likent dans les colonies de Lionel et le maestro aussi. Je veux vous bloquer avec vous tous.
Bande de chiens. Comme tu es les maris spirituels. Ouais, Marie spirituelle, Ali, malheureusement, pas vraiment le Cameroun est fou. Tu as la tête de qui? Ma tête. Ma tête, elle est comme l'ignore mal cuit. Tête d'ignore mal cuit. Ta tête ressemble à quoi? À vous autant. Bon, je pense que là, il y a beaucoup de sujets là que je ne comprends plus. Bon, mes amis, je vous embrasse. Puis je vais me coucher, à bientôt. Bye bye.